qu'il y a un coup de face cette saison. À mon avis, on va pouvoir se qualifier en quart au moins. Si on gagne contre Pointeux, à mon avis, il y a des chances qu'on puisse gagner avant le Chester, sur le même match qu'on a fait là contre Lyon. On peut aller loin, à mon avis, quand on a des éléments comme Cécilio, qui font quand même des matchs extraordinaires, on peut le dire, parce que là, c'est un gap énorme. À mon avis, on peut aller très loin. Le Gouen mettra-t-il son équipe de type je dis. À mon avis, il va laisser reposer Contre Santander. Non, à mon avis, il va faire tourner, il va mettre Griezmann en attaque, il va envoyer Cécilio pour mettre Santos. Peut-être Sako et Traoré, il s'est accouché pendant le match. Et t'as pas peur qu'il refasse le même coup qu'à Schalke? C'est-à-dire mettre que des jeunes et balancer le match? Non, je pense pas, il a dû retenir la vie. Et en championnat? En championnat, toi, comme tu dis qu'on a planté, on a des chances de finir dans les 5 premiers. On commence à gagner contre Lyon. Comment? Paris peut-il se qualifier? Bien sûr. Oui, bien sûr. Tu as dans le pouvoir? Ils ont gagné contre Lyon. Et t'as pas peur que le Gouen fasse tourner comme à Schalke? Comme à Schalke? Ouais, t'as pas tourné que les jeunes. Bah ouais, mais moi les jeunes j'aime bien. Sankaré, Sako, tout ça, moi je veux qu'ils rentrent super. Ouais, bien sûr. Je pense que Santander ça va être facile. Hein? Santander, bah, Santander ça va être facile. C'est l'équipe Santander. C'est l'équipe qui joue sa victoire. On va les piquer, on est chaud. Et en championnat, qu'est-ce que... Non, je pense qu'on a tapé Marseille, Bordeaux, Lyon. Après, il faut être sérieux contre les petits Grenoble, tout ça, mais il n'y a pas de soucis. Je ne sais pas si calme pas, que ce Seignon, Julie, Oaro, ils sont top. On va tous les enculer. T'as pas peur que... Paul Le Guen, il passe un vieux... Paul Le Guen. Ah, c'est vrai que des fois, il fait un peu le peureux, là, Paul Le Guen. Faut qu'on arrive à recruter au moins un milieu pendant le mercato, et normalement il n'y aura pas de soucis. La Coupe de l'UEFA, ils vont aller juste une Coupe de l'UEFA, je pense, un petit quart de finale contre Milan, ça peut être pas mal.